Chercher une alternative à mes bûches de bois, bon, je pense que j'ai trouvé là. Pas besoin de trop réfléchir. Hop, hop. Ah mais non, mais je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, je me suis un peu emballé. Ouais, je vais essayer de finir quand même, allez, avant la nuit. Au moins virer tout la savane. Ça, je sais que j'aurais juste à replanter, mais bon. Ah, on l'a dit tout à l'heure, le problème évident, c'est que je vais devoir déterrer de la forêt ou quelque chose. Hein. Bah, je suis parti sur de la forêt, alors autant que je continue là-dessus. Je vais devoir déterrer autant de forêt pour pouvoir la replanter. Ah, j'en ai pas fini avec ça. Surtout que là, c'est le premier jet. Hein, je veux faire pareil chez moi. Là, juste à côté, je me suis fait. Alors, c'est où? Ici, voilà, le petit coin avec les arbres ronds. Je me suis dit, je vais me faire un biome genre automne. Non, là, je me suis. J'aurais fini ma construction bah, pour le prochain été. Si je fais que ça. Je vais passer 20 jours à faire ça. Ah, j'exagère comme d'habitude. Je vais dire, c'est un pourcentage là. La fourche, et oui, effectivement, il y a un pourcentage, mais ça va, ça tient bien quand même. Hein. Alors, le truc inutile. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh non, mais déconnez pas, un géant? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ouais, si, si, c'est lui. C'est lui. Le voilà. Oui? Non, non, non. Bon, voilà. On l'avait pas encore vu. Ah, qu'est-ce que. Pourquoi je suis allé l'énerver, franchement, c'est n'importe quoi. Alors logiquement, il doit pondre un gros œuf. Ah ouais, non, mais lâche-moi, s'il te plaît. Oublie-moi. Est-ce qu'il y a moyen de te semer? Tu m'oublies un peu. Non, mais je vais avoir une attaque de chien maintenant. Ça va être la nuit. Oh lui, le géant, ça va, il m'a lâché. Niveau armure, ça va, je suis bien. Mais je vais m'arrêter dans ce biome là. C'est con, je suis juste à côté de chez moi, mais j'ai pas envie d'y retourner. Hein. Au cas où le géant. Mais celui-là, non, je vais pas le souvenir qui suit, défonce tout comme les autres. Enfin, comme les autres. Celui de l'été, c'est pareil, il est plutôt cool. Il est vachement coriace, mais. Pas trop agressif. Hein. Je vais devoir me faire à manger pour la nuit, et là j'ai rien. Ouais, j'aurai de la viande de monstre. Si tout va bien. 2, 3, ouais. Ils ont plutôt été cool avec moi, les attaques de chiens. Déjà j'en ai pas eu beaucoup, et à chaque fois c'est plutôt peinard. Alors est-ce qu'il y aurait une incidence sur le fait que je fais pas mal de combats avec ce personnage comparé aux autres, hein, comparé à Wilson où j'avais, bah, voilà, il y a des jours entiers où j'allais pas à la baston. Hein. Là, avec elle, le côté cool, c'est que ça remonte la santé mentale et la santé, donc on est vite tenté à aller taper du monstre. Bah, j'y suis. Ah non, j'avais dit de la grosse viande et je le vois lui. Enfin, de la bien grosse viande, de la viande tout court. Ici, la viande assurée pour me tenir pour cette nuit. Ouais, c'est pas non plus pour aller bien loin, c'est pas grave. Ouais, ça va être bien, c'est tout ce sol là que j'ai récupéré. Je perds un peu de temps là-dessus, mais bon, ça me fait de la ressource pour mon feu.
Il me faudrait de la forêt donc, hein, c'est ça que surtout. Alors, je vais aller chercher ça là-bas. C'est vert foncé, ouais, donc c'est plutôt genre là, ouais, voilà. Ouais, faudrait que j'aille dans ce petit coin là, piquer le tout. Une idée me vient, une idée me vient. Allez, on va tenter, on va voir. Je vais aller jusque ce truc là-bas. C'est où maintenant? À droite là, ici. Où il y a la ruche là. Juste à côté, un petit étang. Je vais me créer une petite canne à pêche. Je vais y aller sans bouffe, sans rien. Bah, je vais peut-être manger un truc quand même avant de partir. Et on va essayer de pêcher là-bas. Tout en récoltant le sol. Et je replanterai le sol hors ligne. Quand je reviendrai, bah, ça sera tout beau, tout neuf. Espérons. Il y a quand même Géant là. Géant, il fait son coin dans ma forêt, hein, juste à côté. Ce géant, comme je disais, il fait un gros nid. Et je l'ai pas vu là, le nid. Hein. Rien de. Ouais. Ouais, bah ouais, t'as faim, forcément. Alors, ça va pourrir, donc il faut que je fasse ça. Hop. Ah non, c'est bordé. C'est bordé, il y a beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses à faire. Hop, une carotte. Et ça, mais ça, j'ai pas de place, forcément. Les bouges de Chester, toujours dans mes pattes lui. Bon, j'espère que je vais pas me faire un truc trop dégueulasse là. Un truc que je ne pourrais pas manger. Alors rangement, vite. Alors non, c'est pas du tout là que je dois mettre ça. Je dis vite parce que j'ai pas envie de. Une fourche, qu'est-ce qu'il me faut pour en faire une fourche? Ouais, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Le parapluie, bah ça va être la saison, je vais peut-être le garder. Ça, on va le larguer. Et Chester, qu'est-ce que t'as sur toi? Hop, hop, ouais, je garde l'œuf au cas où, si je suis vraiment en galère, comme ça j'aurai un truc pour manger. Oula, pardon. Et bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est par là, vers le nord. C'est bien cela. Bon alors, copain géant, tu t'es apparu ici dans ma forêt, est-ce que tu t'es fait ton nid ou pas? Non, une petite apparition, hein, il s'est barré, apparemment. Je l'ai amené dans le petit camp d'araignée, là, le petit nid tout riquiqui. Ça l'a un petit peu perturbé, je sais pas. Mais c'est très bien. Chester, tu me suis? Toujours des herbes. Toujours une petite vingtaine, hein, c'est toujours bien fait. Ça va vite, hein, ces conneries. Surtout à cause des cordes. Hein. Ouais, si j'avais. Ah bah non, mais voilà. J'ai voulu partir trop vite et je fais le malin. Je suis parti sans bouffe et je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller pêcher là-bas. J'ai pas fait ma canne à pêche. Ah là 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 là. Bon, bah, c'est pas grave, je vais m'arrêter ici. Hein, je vais juste prendre du bois, des conneries. Et en fait, surtout ça, quoi. On va essayer de résister. Ouais, ça va, j'étais parti en mangeant des boulettes. Je devrais tenir jusque le lendemain matin. Ah, c'est reparti pour la fête. Hein. Oui.
Et voir ces grands arbres, ça me fait penser qu'il y avait un coin. J'avais vu avec. Est-ce que c'est ça ici? Non. Je ne sais plus où ils étaient. Les grands. Les arbres. Hein, les arbres gardiens. On a vu qu'à un moment, j'étais passé à côté d'un attroupement. Il y en avait 8-9 là. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et je ne sais pas où ils sont. Donc ça, c'est bien de les avoir vus. Mais j'aurais dû repérer l'endroit. Parce que maintenant. Ah, je sais que c'est à proximité d'une forêt comme ça, donc c'est pas non plus. Je dois pas me faire toute la map. Mais j'avais dit que peut-être ça serait un plan pour un géant, ça. Ça peut être le bon plan. Comme celui de l'hiver, là. Celui qui gèle. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. On verra bien, j'aurai bien l'occasion de recroiser un géant qui va vouloir me pourrir la vie. C'est quand même une de leurs spécialités, quand même. Ouais, alors le canard géant, voilà, on a vu. Ah, normalement, ça met des coups, c'est gentil. Hein. C'est gentil. Ouais, c'est un truc géant, hein, mais. Mais c'est le premier géant que j'ai réussi à tuer. Après, je vous ai dit, j'en ai tué deux en fait, hein, tout simplement. Celui de glace et celui-ci. Après les deux autres, le moustique géant de feu, n'en parlons pas. Je l'ai testé une seule fois, il m'a mis ma volée phénoménale. Et l'autre qui fait des ondes de choc, là, bah lui il est un petit peu énervé quand même. Hein. Autant le canard, voilà, le canard, là, on peut l'amener dans des attroupements de buffalo, ce genre de truc là, ça marche bien là. Mais le canard, ce qu'on veut, c'est son œuf. Ce que son il fait un gros œuf et à partir de là, dès qu'il éclot, on a tous les petits poussins, j'en ai parlé. Est-ce que je suis en train de déterrer la route ou pas si je fais ça? Quoique, non, c'est pas une route en fait. Ah non, c'est la fin de la route. Ok. La route s'arrête ici. Normalement, non. Voilà, la route reste là. Oui, je n'ai plus de place. Ah, j'aurais déjà fait un bon stock, c'est bien. Le feu. Hop. Alors, hop. Une dizaine. Eh, ah non, non, non. Ah, ça c'était pas prévu en revanche. Ah, ça y est. Ça y est. Ah ouais, non, mais ça faisait longtemps. Il n'y avait pas eu de boulettes là. Il n'y avait rien. Tout se passait bien. Ah, j'ai failli foutre le feu à la forêt. Alors, j'en suis où avec mes conneries? Une cendre, allez, pourquoi pas. Bon, ben on est bien. J'ai un bon stock là, je vais être bien avec ça. Ouais, non, mais alors, les mains, c'est bien beau, mais voilà. Fait un gros feu du tonnerre, et hop, direct, elle se barre. Bah, direct, ça dépend. Toujours du bois, je sais pas ce que je fais avec mon bois. Hop, petit dernier pour la route. Ah, je voulais tenter ce truc de pêcher là, mais bon, c'est pas grave. Hein. En même temps, je vais tester une fois, hein, je sais, mais c'est pas. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.